I know, I saw your videos. Huh? You put them on Reels, no? On Instagram. Yeah? Videos about like Tokyo and yes. stuff, right? Yes. Yeah, I saw your videos. Are you sure? Sure, je parle français. Bro, your French is good. Hi, how are you? Good. You good? Oh, yeah, thanks for the good vibe. I found that you guys are good vibe people. Yeah. Like, we are from different cities, but we study in the same university. Yeah. And we visit universities from here, like Waseda. Ah, you're Waseda? Yes. Oh, like exchange? Yes. Oh, nice. Well, we, like you guys, a program. You guys Waseda right now? Yeah. Oh, it's intelligent. Wow, everybody intelligent. Yeah. So you, now you learn some Japanese language? Very difficult. Arigato. Arigato. Gerai. Erai. Erai. You are erai. You are because you are studying. That's why you are erai. It's a shock. It's a shock. It's a cultural yes. shock. Yeah. Big shock? Yeah. A big one. Yeah? Yes. And the mix with the traditional and the modern world, mm-hmm. yeah. it's a huge impact. And also the anime culture that you have here and yeah, and the hentai too. Yeah. Oh, yeah. It's definitely This type of things too. Yeah, yeah. Talk for us. Different. Yeah. It's different. Very yeah. different. Very different. Yeah. At home. At home? Yeah. yeah. No, outside. No, normally. And also the girls that are dressed as anime characters. Yeah. Is that a huge impact? And anime cosplay. Yeah. Japanese anime cosplay. Yeah. Huh? Akiba. 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 Yeah. yeah. People scout you to invite the cosplay cafe. Yeah. Amazing. You like it, this kind of cosplay? It's weird. It's now yes, it's now different. Yes. For me, for me, no, but it's for the guy. Huh? Yeah, for people, yes, very, very nice. You already going to the cosplay cafe? There. Ah, no. You went? No. 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 You went. They went. You're right, yeah. Yes. One time. Just one time. Yeah, just to see for the experience. Yeah? And that's it. How was it? How was it? Very well, very well. Yeah, it's a little bit strange. It's a little strange. Yeah, yes, but. How a little bit strange? Because, I don't know, you're sitting there and then suddenly a woman comes and talks to you and. You don't know her. You know her. You, I don't know. You have pure heart, I think. Yeah, yeah. That's the street. It's for the some businessmen. After the walking, people get stress. Yeah. Well, Japanese people a lot of stress for the walking. After they go into the cafe. Okay. For talk with young people. Wow. That's weird. That's the culture. Weird, yeah. Yeah, actually. But in Spain, it's not. No, in Spain, this is not normal. Not like this. No. And it wouldn't be legal in Spain. Yeah? No. I think it could be legal to speak with people for that stress, no? Yeah. Like, yeah, but I don't know for money. For yeah. money, no, maybe. Yeah. That's the problem. Spanish people don't have stress because everybody is good tension. Yeah. Good tension, everybody friendly. Yeah, we are relaxed. Make some relax. It's true. I feel that because one time I was in Barcelona. Mm-hmm. Yeah, just one time. Oh, and yeah. you like it, the city? Yeah, really like it. I was in Camp Nou too. Ah. Yeah, because of my dance competition. I'm oh. dancer actually. Oh. Yeah. Ah, you have to show us. Yeah. My moonwalker. I showed my moonwalk. Okay. Yeah. That. Hola. Thanks so much. Very good, very good. I know, I saw your videos. Huh? You put them on Reels, no? On Instagram? Yeah? Videos about like Tokyo and yes. stuff, right? Yes. Yeah, I saw your videos. Are you sure? Yeah. Before coming here? Before coming here? My algorithm probably like sent me to you because I was coming to Japan. Algorithm? Yeah. Algorithm. I want to learn Japanese. Mm-hmm. Yeah. Okay. To speak fluently and understand people. Oh, yeah? Yeah. I can teach you, of course. Okay.
I only want to have a new experience. New experience? Like, yeah, that I have never before. Like Titi Bar, yeah. The girls who knows like for example the anime girls bar and well the club and all that stuff. Okay, girls bar. Yeah I don't think it's that one. No, I don't think it's that one. Okay. I have a really good restaurant. It's actually the third time I go in a row. The first time in Japan, I've been here for 3 days, and I've been going to the same place for 3 days. Oh yeah? We ate the carbonara rice, awesome, and the sashimi. Oh. It's called Kunamashi. I would like to play football in one team here, because in Barcelona I play. Okay, I was a football player actually. Yes. Yeah, that's why I really love Barcelona and Spanish people. So thank you for the great interview today. Thank you. Hope you enjoyed it. Yeah. Thank you so much. Thank you. Adios. Hello. Hello, bro. Hi, guys. Yay. What's up? Thank you for the interview. Okay, I got my diploma and I just didn't find a job, so I'm just traveling now. Are you guys where from? France, Paris, and he's from another city down there. First time to come to Japan? Yeah. Okay. In Tokyo, I went to Daikoku straight up. Oh. Like at 4 a.m. I was at Daikoku. Huge car fan, like in the car culture engine. So we went to Daikoku, obviously. Mm-hmm. It was crazy. Mm-hmm. Like a kid's dream coming true and shit. Okay. Do you remember? C'est moi. J'étais à Daikoku en fait. J'étais conduit en fait. J'étais à conduire avec voiture en fait. J'ai une voiture bien en fait. Really? Ouais si. What car? Moi j'ai fait ça en fait. Je jure je parle français. Bro, your French is good. Yeah, your French is very good. Moi j'ai pas le diplôme en fait. Damn, really? Si. Oh, c'est incroyable, bro. C'est un black en fait. Oh, j'ai pas le français, aussi c'est un vrai en fait. J'étais à 8 ans à Paris en fait. Oh, la dinguerie. Ouais, il est fort. Ouais. Putain, trop bien. Putain. T'es fort. Non, le tonton il est chaud les gars, le tonton il est chaud. Bon. C'est pour ça que j'ai attendu de vous être français là. Bah oui. Surprise. C'est cool. On parle français hein, maintenant. On parle directement. Vas-y. Comme tu veux. Hein. Ouais, ok. Je suis revenu hier de Kyoto. Ok. Et c'était trop bien, le meilleur endroit du Japon. Non, tout seul. On se connaît pas en fait. Ah ouais? On s'est rencontrés à Shanghai, à un comptoir pour demander des informations. Ouais. Ah bon? Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est bien comme ça en fait. Ouais. Ça paraît bien, amical. C'est ça. J'aime bien de penser comme ça, amical en fait. Ouais, bah bien sûr. On rencontre des inconnus, fait des relations dans tout le monde. Ok. Même à TV2, c'est ça? Non, j'ai 24 ans. Ouais. J'ai 18. 18? 18 ans, ouais. God. Je suis un bébé. Ah ouais, puis autant. Il est courageux de voyager tout seul à 18 ans. Ah bon. Je suis resté uniquement Tokyo. J'ai fait que Tokyo, mais j'ai fait aussi le Mont Fuji. T'as déjà allé? Ouais, je suis allé tout en haut. Ah bon? Ouais, j'ai fait la nuit tout en haut du Mont Fuji. Il a grimpé toute la nuit. Tout seul. Il est fou. Ah, ouais. Moi, je suis venu avec le pied cassé, du coup, je pouvais pas le suivre. C'est pas dormir dehors. Si. T'as dormi sur les pierres. Non, parce qu'en fait, comment dire, il n'y a pas de touristes. Ouais. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'auberge. Ouais. J'ai dormi dehors en fait. Mais non. T'as dormi sur les pierres. Ouais, c'est ultra, ultra dangereux. Ouais. Mais. Voilà. T'as déjà fait de camping tout seul? Bien fait sûr, oui. D'autres régions, d'autres pays. En France, juste en France. En France. Je suis arrivé le soir, ouais. J'ai grimpé pendant la nuit, ouais. J'ai fait du coup une petite nuit de 1h, 2h, ouais. Et j'avais le lever de soleil très tôt le matin et je suis redescendu quoi. Ok, j'arrive pas à dormir en fait. En fait, j'ai très peu dormi, ouais. C'était compliqué. Très compliqué. C'est ça que ton expérience au Japon, c'est ça? Ouais. Kyoto, moi j'ai fait les temples, je m'écartais un petit peu des sentiers où il y avait les touristes, je me suis perdu dans la montagne du Fushiminari. Ok. Le premier truc choquant, c'est que c'est propre. Ouais. On vient de Paris, Paris c'est sale, on voit des rats au coin des rues à Paris. Ouais. Ici c'est propre alors qu'il n'y a pas de poubelle dans la rue. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. C'est dingue. Là, un peu mais... Oui bon là... On est à Shibuya, ça va. Ouais. On est à côté du métro. Ouais. Les gens sont très très sociables, très gentils, j'ai l'impression. Ouais. La première fois que je suis allé à Daikoku, c'était un mec qu'on a rencontré
à Akihabara par hasard. Le mec dans mon hôtel, le mec qui travaillait à l'hôtel, je lui ai parlé de voiture, il m'a emmené à un car show. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, les gens sont gentils. Les gens sont très gentils. C'est lui qui travaillait, il m'a fait ma réception et tout, c'est lui qui travaillait à l'hôtel. Mais non. Je lui ai dit ouais, nan, voiture, nan, nan. Il m'a dit ah ouais, t'aimes bien, demain il y a un truc, on y va. Je dis ouais. J'ai dit ouais. On est allé en même temps une fois. Okay. Et ensuite il est retourné une deuxième fois. D'accord. Et moi j'étais à Kyoto, je suis allé à un autre car show à Kyoto. Il m'a amené, il conduisait. Okay. Je lui parlais pendant qu'il conduisait, on est arrivé, je fais waouh les voitures. Ah, je fais ouais. Des vidéos et tout, c'est fort. Kyoto, personne. Encore de plus amical peut-être. Que oui. Tokyo, c'est quoi. Oui, les gens étaient super gentils. Ah, ils montraient les voitures à l'intérieur et tout. Ah ouais. Ouais. Des belles expériences. Qu'est-ce que déjà manger, bon pour toi de manger au japonais? Oh waouh. On a fait un resto d'udon hier, incroyable. C'est vrai. Ouais. À Shinjuku. À Shinjuku, incroyable. Le meilleur resto que j'ai mangé ici, je pense. Udon, ton préféré. Ouais. Et toi? En vrai, j'ai goûté de l'anguille. Unagi. Ouais. Oh, wow. C'était incroyable. C'est vrai. Incroyable. C'est cher. Ouais, mais après, il fallait le faire. C'était indispensable. Oh, le wagyu aussi. Le wagyu dinguerie. Waouh. Wow. Comment ça fond dans la bouche et tout. Déjà fait. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Mais en fait, tout ici, tout ce qui est qualité médium ici, c'est haute qualité en France. Ouais. Okay. Du coup, on va dans des restaurants qui coûtent pas cher, mais c'est comme si on allait dans des restaurants de luxe à Paris. Et c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment trop bien. C'est vrai. D'accord. Donc, voilà. Merci, frérot. Merci. Avec une petite surprise française. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.